Aujourd'hui, je vais vous proposer 5 conseils pour limiter votre consommation de sucre pendant cette période de confinement. Consommation de sucre est essentiellement liée au stress. Mon premier conseil, c'est de démarrer votre journée avec un petit déjeuner salé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre de la confiture sur votre pain, vous pouvez mettre du jambon, de la dinde, du fromage, de façon à avoir moins envie de sucre dans le reste de la journée. Mon deuxième conseil, si vous avez tendance à grignoter, c'est d'aller plutôt vers les oléagineux, qui sont les amandes, les noix, les noisettes, et n'hésitez pas à les consommer puisque ce sont des aliments très sains. Mon troisième conseil, si vous avez des pulsions très marquées vers 17h, consommez du chocolat noir, qui est un aliment qui va satisfaire votre envie sur le moment, mais qui va être pauvre ou faiblement sucré. Mon quatrième conseil, si vous cuisinez, si vous faites des desserts, tout simplement diminuer la ration de sucre qui est présente dans les recettes en diminuant de moitié le quantitatif de sucre pour avoir une recette tout à fait savoureuse mais beaucoup plus allégée en sucre. Et enfin, mon dernier conseil, qui sera un conseil de micronutritionniste, si vous voyez que malgré tout, vos pulsions, vos envies de sucre sont toujours là, c'est de consommer du magnésium. Je conseille plus souvent le magnésium marin et de faire une prise le matin et une prise le midi qui saura vraiment réguler et limiter vos envies de sucre au cours de la journée. Prenez soin de vous. France Bleu, 100% solidaire.